Ça va être parti pour les qualifs de course 3. Allez, séance de qualification, 5 minutes. C'est parti pour Keiko, c'est parti pour Géo, Jadad. Premier secteur, c'est Keiko Roussadier, normalement, oui. Mais Géo est là. Géo, pas loin. Ouais, Géo est mieux. Ouais, Géo est très bien là. Ouais. Effectivement, 3 dixièmes de mieux. Au corkscrew, c'est très bon aussi. Oh non, attention, une petite erreur en sortie là pour Géo. Attends, j'ai 6 dixièmes d'avance sur le chrono de Keiko. Encore 3 dixièmes, effectivement. Ça va te faire rater, oui. Attention, Géo. Il prend bien la largeur pour ressortir le plus rapidement possible. Il a pris la corde. Et c'est Géo. 25 centièmes d'avance, suivi d'Andreas TS à 162 millièmes. Keiko a récupéré 3 dixièmes dans le dernier secteur, mais ça n'a pas suffi. Ouais. On va voir le premier. Secteur, ce que ça donne. Keiko est devant. TS, 21.4. Joli. Brasse, c'est raté. TS en 20.5 améliore, mais Omega Géo est en 20.1. Mais il améliore pas. D'amélioration pour Géo. Et Keiko non plus, donc. Keiko en 17.6 améliore son troisième secteur. Ça suffit pas. Géo peut améliorer son dernier secteur, je pense. Il est pas mal là, Géo. Ouais. Il a fait un bon virage. 24.920 est amélioré, Keiko. Mais pas Géo en 24.800. TS passe 3ème. 25.511. Et après-midi difficile hein, encore pour Joey. Ouais. Puis l'amélioration. 21.7, 21.5. TS s'arrêtait, on dirait, effectivement. Jadad également. Andreas n'aura pas. Si, il pourra finir. Si, il pourra finir. On sait jamais, Keiko, peut-être que ça va être difficile quand même. Il va améliorer son troisième secteur. Son deuxième secteur, il n'améliore pas son troisième. Un peu mieux, mais. Il n'a qu'un dixième à aller chercher hein, Géo, donc un peu serré. Voilà. Passe pas mal, il est un peu large. Il a perdu du temps, je pense, dans le dernier secteur. Non. Ouais. Oh, pas grand chose. Non, il n'a pas mis. Voilà. Andreas s'est arrêté. Et voilà donc la grille de départ de cette troisième course. Géo donc, Keiko, TS, Jadad, Andrej, Trump.
on est que je date quatrième. C'est parti. C'est parti. Oh, très bon mauvais départ de TS. Ouais, mauvais départ de TS encore une fois. Et Andreas ? Oui, Andreas, qu'est-ce qui se passe ? Il est cloué. Il a peut-être fait un faux départ, hein, Andreas. Oui, je pense qu'il a fait un faux départ pour Andreas. Attention, Keiko sur Géo et Jadad sur TS. Au TS, attention au travers. Ah, et là, il est bien, Jadad. Anticiper son freinage quand même. Voilà, TS encore à travers. Ouais. La montée vers le corkscrew. Oh oui, Jadad. Allez, Jadad peut-être. On va suivre d'abord très rapidement. L'épingle de Géo. Et Johnny Trump s'est loupé. Tiré droit. Sixième. Ouais, ça en profite. Ouais, et perd du temps là, Jadad. Keiko est sur Géo. Ouais. Oh, et TS c'est légèrement loupé, effectivement, aussi. Hein. Ouais, Jadad est bien revenu dessus. C'est tendu entre Keiko et Géo. Freinage, Keiko, freinage, freinage. Ouf. Aspiration. Les deux sont à l'aspire. Ouais, exactement au même endroit, même manœuvre. Keiko à l'intérieur. Attention, pas emmener Omega. Aïe aïe aïe, il emmène Omega. Et du coup. Faut s'attendre. Ouais, mais derrière, ils ont pas à attendre. Et oui. Et du coup. Oh, il se spin, Géo, pour repartir. Aïe 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 aïe. Et Andreas. Aïe aïe aïe. Ah oui, alors là. C'est une situation difficile à gérer là. Jadad légèrement à l'extérieur également de la piste. Alors qu'aurait dû faire Keiko selon toi en fait ? Oh, bah, il doit entendre Andreas. Ouais, parce que Keiko est parti, hein, il aurait dû attendre Géo je suppose. Ouais. Là, il regarde. Voilà. Aussi. Bon, il peut partir. Et pourquoi attendre Andreas et pas Géo du coup ? Ouais, pas... C'était Géo. Ah, c'était Géo. C'était Géo. Ah. Et... bon, c'est pas grave, il y a très peu de distance entre les deux. Ouais. Voilà, Keiko est passé. Ouais, tu vois, Géo est légèrement derrière, du coup.
Et il doit encore passer Andreas. Géo est juste derrière. Il va passer Andreas. Voilà, Andreas qui le laisse passer même. Et Géo rejoint Keiko. Oh, il va un peu fort là. Géo. Géo à la poursuite de Keiko maintenant. En fait, ouais, j'adapte à une seconde. Ouais. Moins d'une seconde une, mais à un millième près. Mmh. Oh, qui c'est qui s'est spiné, Andreas? Ouais, c'est Andreas. C'est Andreas et maintenant il a Johnny derrière lui. L'écart se maintient. Seconde 2. Keiko et Géo. Pareil, l'écart se maintient. Keiko prend le large un petit peu. Oui, oui, oui. Pas grand chose. C'est raté Keiko sur le freinage Andretti. Oh oh, j'ai où. Ouf, c'est chaud. Attention TS. Oh, TS, petite erreur là. J'adore, bah, tu en profiter. Corse-Crew, ça va être parfait. Difficile, il va rester derrière. Au niveau usure des pneus, on a oula, un point à chaque pneu avant pour TS par rapport à Jadad.
ça peut jouer. C'est beaucoup plus difficile là pour. Oh oui, il a le pneu arrière droit beaucoup plus entamé aussi, TS1. J'attends le roi de l'économie. Oui, pas bien le test. Enfin, ça sort pas mal. Ah, et Jada là, lui. Une vitesse, mais il reste derrière pour l'instant, il se montre. Attention au prochain virage. Attention au prochain virage, c'est là que la plupart des pilotes font une erreur. Il a failli test. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand Jada va-t-il essayer d'y aller ? Il restera un peu plus d'un tour après le corkscrew, voilà qui est fait. Oh, la TS, c'est difficile. La voiture commence vraiment à patiner. Jeannette, c'est là, hein, faut qu'il se rapproche. Il y a qu'Andretti qui peut doubler pratiquement. Il faut qu'il ressorte mieux. Ouais, c'est bien. Pas mal. C'est pas mal du tout ça. Oui, il a l'aspi. Jeannette, il va peut-être passer. Attention. Il se décale intérieur, il se décalera pas intérieur. Faut ouh, pas qu'il freinage est tardif. Voilà, extérieur, il tentait peut-être de croiser, mais. Ouais, c'est raté. Ouais, c'est raté, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. Pas oublier que les pneus de TS sont usés, plus usés que ceux de Jadad. Donc attention, jusqu'à la fin, ça va être compliqué. Le TS. Plus dur de doubler quand même maintenant. Voilà. L'erreur peut se payer une erreur, hein. Une erreur peut encore arriver là pour TS. Beaucoup plus prudent sur ses accélérations, Jadad, ça se voit. La voiture est beaucoup plus stable en sortie. C'est raté, il s'est raté. Et Jordan va passer. L'idée c'était un peu raté, mais pire pour TS. Et Jordan va l'emporter. C'est pas terminé, il reste le dernier virage, attention. Restez prudent. Ouais, c'est terminé. C'est terminé, victoire de Jordan. Dernier virage aussi pour Keiko et Géo. Keiko sera devant Géo. Et Magnon, suspense sur la course. Ouais. CS n'était pas loupé dans le course crew, il aurait pu gagner. Oui, effectivement, oui. Mais on sentait quand même que ses pneus vraiment patinaient. Hein. Les pneus arrière étaient, le pneu arrière droit était mort. Enfin. Les pneus avant, c'était pas beaucoup mieux, donc sous virage. Jadad a bien fait d'attendre derrière, en fait. Il lui a peut-être mis la pression, et du coup... Ouais, j'ai une truc à 29 secondes.